Salut à toutes et à tous, c'est Yov et on se retrouve aujourd'hui pour Super Mario 64. Donc c'est parti, on va continuer sur la partie qu'on avait sélectionnée ensemble. J'espère que ça va nous refoutre là où on était parce qu'il me semble que j'avais sauvegardé. Gardez! Non, non, voilà, c'est ici pour sauter. Moi j'aime bien c'est sauter comme ça, je sais pas, c'est la classe. Attendez. Voilà, on ouvre la porte tranquillement. Pour la durée de l'épisode, ça je sais pas encore. Alors normalement, il faut que j'aille à la chambre de la princesse. Cette porte est fermée à clé. Allez. Vous avez besoin de machin. Donc j'ai une étoile. Ah voilà, une étoile, c'est ici. Oh, il pousse le mur, ok. Mario est très fort. Ah, 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 ah. Je peux l'ouvrir, donc voilà. Oh là là, je m'en. J'ai vraiment plus de souvenirs. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Pas forte, doucement. Elle s'ouvre doucement, mais à part ça, c'est Mario qui la pousse. Sinon, on se foutrait pas un peu de ma gueule? Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Lisa. Ah. Mario, mon château est en danger. Et Bowser en est le responsable. Toi seul peux contrecarrer ses plans diaboliques. Mouais. Bref. Les portes du château ont été scellées par Bowser et ne peuvent être ouvertes qu'à l'aide du pouvoir des étoiles. Bowser a caché les étoiles de puissance dans les tableaux et les murs du château. Mais Bowser n'a pas découvert tous les passages secrets du château. Un passage secret se trouve dans cette pièce et il mène à une des étoiles secrètes du château. Trouve cette étoile, mon petit Mario. Elle te sera très utile. Je t'en prie, aide-nous. Retrouve toutes les étoiles du château et tu pourras nous délivrer. Je t'en prie, Mario, sauve-nous. D'accord. Je sais pas, qu'est-ce que je peux. Je sais pas, moi, comment sélectionner un mur. On va peut-être en pousser un. Non, je crois pas. Hein. Je vais encore me taper un gros fail. À moins qu'il faut, il suffit de sauter. C'est putain de. Non, pas ça. Je t'ai pas dit de faire caca. Putain! Pas possible! Comment on fait déjà pour gérer la caméra? Ah oui, comme ça. Bah, il y a un. Un passage secret dans cette pièce. Ah bah non. Non. Ok. Ah bah voilà. Ah, je me disais quand même aussi. Fallait que je trouve. Oh. C'est quoi ici? En tout cas, j'aime bien la musique. Non. Oh putain, il glisse Mario ici. Putain, mais il est vraiment un peu con Mario hein, là-dedans. Je me rappelais plus qu'il y avait autant de problèmes comme ça sur le jeu. Regardez, c'est presque totalement impossible à gérer le. Et si vous voulez lire la pancarte, bonne chance. Ah voilà. Voici la princesse. Oh lolo. Voici la glissade secrète de la princesse Peach. Vous y trouverez une étoile secrète que Bowser n'a pas pu voler. Pendant que vous glisserez. Appuyez vers l'avant pour accélérer et vers l'arrière pour ralentir. Si vous glissez très vite, vous redécouvrirez une étoile secrète du château. Cool. Alors je sais pas s'il faut attraper des étoiles. Eh, c'est classe! Youhou! J'aime bien la musique en plus. Oh putain! Ça se corse. Oh putain, ça se corse, ouais. Ah, si j'y arrive pas, je suis nul. Ça c'est facile pour l'instant. Pour l'instant, j'ai dit. Pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais raconter pendant. Hop, oh, ben, on est arrivé. C'est tout? Ah, oui, et donne-moi la vie, toi. Connard. Connard. Ah, voilà. On a eu l'étoile. Donc voilà.
Et vous pouvez remercier mon fail que j'avais fait pour cette vidéo de Super Mario 64 parce que c'est grâce à ça que je vais faire le... Oh. 34 pièces. Sauvegarder et continuer. Voilà. Ensuite. Ah oui, j'ai 2 étoiles maintenant. Alors là, il en faut 3. Là, il en faut combien? Non, moi, je veux bouger. Ah, je peux pas bouger la caméra ici. Ok. J'ai 2. Ah! Il faut une étoile ici. Je peux peut-être y aller. Hop! Je sors mon étoile. Oh oh! Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Et c'est Mario qui va l'ouvrir! Bah, bien sûr! Oh, c'est quoi ce niveau? C'est Polly! La belle animation. Je trouve que elle est vraiment sympa cette animation. Forteresse de Womp. Yes. Bon, je suppose qu'il faut se taper un boss là-dedans. Alors, bonjour à tous, ici Lakitu. Ici Lakitu, le reporter de choc et de charme. Voici un petit conseil technique. Marchez tout doucement pour ne pas faire de bruit et ainsi surprendre vos ennemis. Vous pouvez déplacer ma caméra avec machin, 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 ouais. Lorsque ma caméra ne peut plus se déplacer, un signal sonore se fera entendre. Mes chers téléspectateurs, à bientôt. Ok. Excusez-moi pour l'accent pourri. Fallait que je le fasse. Lakitu, c'est un nom. Putain, mais. Je veux lire ce putain de panneau! Ça, c'est pas possible. Ah, voilà. Silence, je dors. Grâce à l'imprudent qui oserait me réveiller, marchez doucement, sinon. Sinon. Sinon quoi? Je voulais voir ce que ça faisait si je le rêvais. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est là qu'il y aura une étoile. Je sais pas pourquoi il y a des blocs comme. Bon, je vais aller récupérer les pièces ici. Après, je lirai la pancarte qui était là précédemment. Hop. La pancarte ici. Alors, l'ombre de l'étoile en face de vous est un marqueur d'étoile. Lorsque vous récupérez 8 pièces rouges, une étoile apparaîtra à cet emplacement. Ok. Ok. Bon, ce qu'il me faut, moi, absolument, de toute façon, dans. Ici, c'est 3 étoiles, hein, absolument. Oh putain, ça va être hard. Yeah! Ah oh, putain, ça me fait chier ça. Ça va, j'ai encore 5 vies. Il faut que je commence à m'adapter là. Voilà quoi. Mon forteresse de machin, bref, machin, là qui tue, j'espère qu'il va pas me faire chier. Ah putain, je m'en doutais. Hop, voilà. Là qui tue, va te faire foutre. Ah, voilà. Le gameplay est un peu plus jouable. Ah! Non! Ça me saoule! Putain, c'est pas possible! C'est quoi cette merde? Putain. Bonjour à tous, machin, 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 va te faire foutre. Ouais, c'est reparti, j'ai envie de dire. Et hop. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller doucement. Allez. J'espère qu'il va pas me foncer dessus, lui, le gros sac à merde. Enfin, gros sac. Enfin, on dirait. Eh! Descends un petit peu, merci. On dirait une tête de Lego. Enfin, je trouve. Il existe des casquettes spéciales dans les blocs rouges, verts et bleus. Marchez sur les interrupteurs dans les niveaux cachés pour faire apparaître les blocs de couleur. Ok. Et ça fait quoi? Nye. Ah oui, ok. Ouais. Oh là, je suis con, moi. Putain.
Encore un truc impossible. On va s'éclater. En plus, il y a des bugs. Enfin, il y a des bugs. Il y a des lags, plutôt. Ah. Ah, bah, ok, ça m'a ramené quelque part. Donc, j'ai envie de lire la pancarte. Super, il s'accroche. Putain, je trouve que... Ah. Panorama, appuyez sur C pour jeter un coup d'œil, profiter de la vue, machin, 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 je t'emmerde. Oh! Il y a une Findus bleue. Ou gris. Oh! Elle a la tête du diablo. Bref. Ouais. C'est quoi ce truc-là? Je peux... Ah bah, je peux grimper. Je me disais aussi, ça sert à quelque chose que ce truc-là. Putain, c'est haut! Ah, voilà. Voilà. Non! Oh, putain. Ah ouais, quand même, il perd de la vie en tombant. J'adore comment il monte, par contre, avec une telle facilité. C'est Mario, quoi. Voilà. Ok, c'est qui, lui? J'espère qu'il va pas me faire chier. Ah! Putain. Voilà. Eh, gros monsieur! Ah, c'est pas le moment de venir m'embêter. Nous, les pierres, on construit des maisons et des châteaux. Bon, déjà, c'est pas des Findus, hein, je me suis trompé. Et vous, les humains, vous ne pensez jamais à nous dire merci. Si tu restes là, je m'envoie t'écraser la face comme une vieille prune de merde enculée. Non, il a pas ça. Crois-tu pouvoir faire une attaque rodéo sur mon dos? Allez, ça m'é... ça m'... ça m'étonnerait. Allez, en garde. Nabo rouge et bleu. Je suis pas un nabo rouge et bleu. Je suis rouge et bleu. C'est différent. Je suis un plombier d'abord, je suis pas un abo. Eh putain. Oh putain. On peut pas glisser? Ah! Il doit y avoir une technique. Hein. Viens là. Ah! Ok, c'est ça. Il est où mon Mario? Ah! Boum! Oh putain! J'ai fait freestyle sur le côté là. Oh putain! Oh putain! Je parle pas trop vu que j'essaye de me concentrer quand même. Allez! Boum! Il n'a pas de vie ou quoi le mec? C'est chiant, on voit pas sa vie. On voit la nôtre. Mais pas celle du boss. Tiens! Ah ah ah! Quoi? J'ai perdu! Sacré nom de Dieu! D'un pétard. Vous, les humains, vous n'avez aucun cœur. Tiens, prends ça. Et va te faire foutre, va-t'en. Hey, merci. Merci. Here we go. On a trois étoiles, les amis. On a trois étoiles. Construction du grand shop. On a sauvegardé. Vous avez récupéré trois étoiles de puissance. Désormais, vous pouvez ouvrir les portes marquées d'un 3. Vous pouvez aller et venir dans les niveaux comme bon vous semble. Les ennemis qui vous attendent seront de plus en plus costauds. Alors prudence. Merci. Hey, y'a Todd. Désolé, je te fous avant. Parce que j'ai pas que ça à foutre à te parler, enfoiré. On se casse et on va regarder une porte où il y a un 3.
Il me semblait en avoir vu. Ah! Ah! Ah, on fait 15 minutes. On doit arrêter la vidéo. Non, je déconne. Ben non, on peut dépasser la limite. Grâce à la puissance des étoiles, la porte ouvre doucement. Mario, ouvre-la, s'il te plaît. Merci. Oh. Quelque chose me dit que ça va être un niveau aquatique. Ça, c'est clair que ça va pas être dans le désert. En plus, il y a un gros bateau. Il y a le Titanic. Alors, on se barre. Yeah! B des pirates. Vous voyez, je prends une voix différente pour les ennemis, les amis. Ah, Peach! J'ai pas fait sa voix, tiens. Ça peut être drôle. Faut bien que je vous amuse, hein. Sinon, c'est vrai qu'on se fera chier sans mes commentaires. Encore, il y en a qui arrivent peut-être à se faire chier avec mes commentaires, hein. Mais bon, après, je peux plus rien pour eux, sinon. Attention à lire avant de plonger. Si vous restez sous l'eau pendant trop longtemps, vous pouvez vous noyer. Remonter à la surface, traverser une bulle d'air ou récupérer des pièces vous fera regagner de l'oxygène. Appuyez sur A, machin, je t'emmerde, voilà. Moi je nage comme je veux. C'est quoi ça? Poupidoupidou. Merde. Yeah! Bon, je sais pas trop à quoi ça sert les pièces pour le moment, mais bon. Ouais, ça c'est. Je crois que ça va être un truc pour les. Il existe des cascades spéciales. Nanana, voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure en fait. Là, c'est quoi? Oh là là, c'est ce que je viens de lire. Oh là là, quel blaireau. Quel blaireau je suis. Hop, allez, je vais dans l'eau. Allez! Yeah! Voilà, donc ça c'est quoi? Ok. Ouais, quand même, il y a une assez bonne distance d'affichage. Ah. Ça va, je suis remonté à la surface déjà, donc c'est une bonne chose. Par contre, j'ai pas l'impression de perdre de l'oxygène. Avant que l'oxygène est assez. Je sais pas comment remonter par ici, par contre. Hey, c'est quoi au fond? Sorte de cerf. Ah non, c'est des algues. Oh, des poissons! Quel poisson! C'est Nemo. Oh, il y a des pièces rouges. Pièces rouges. Pièces rouges. Pièces. Mais plonge, blaireau! Pareil. Voilà, ça, c'est des vues différentes, non? Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas. Ah! Ah, bah voilà! Merde. Ah ok, il faut rester appuyé, je crois. Ah! Connasse! Bon, par contre, je trouve que c'est un peu ennuyant, ce niveau-là. La musique, elle est belle, pourtant. Ah. Hé. Voilà, donc ça, c'est quoi, maintenant? Gros fail. J'ai fail. J'ai fail. Il y a une pièce rouge là-dedans. La maladie de Disney, ça chante sur moi. Parce que je commence à chanter dans l'eau. Bon. Voilà. Ah, monte! Mais. C'est pas possible, il est bouché, Mario. Il est bouché. Monte, je te dis! Voilà. Oh putain, ça s'enfonce. Enfin, ça s'enfonce. Voilà. Vous pouvez facilement vous accrocher aux arbres et aux poteaux. Appuyez sur machin, machin, voilà. Machin. Where? It's a me. Yeah. Ah non, je déteste tomber dans l'eau. Je trouve ça trop lourd. Sérieux. Ah, sérieux, je trouve ça lourd. Peut-être pas vous, mais moi. Putain, mais elle est tout ouverte, cette putain de coquille de mes deux là. Ah, bah voilà. Fou, pas me faire chier, moi. Hein. J'en ai marre. Oh, par contre, la texture là, elle est quand même assez moche. J'aurais pu faire un effort, Nintendo.
Putain, c'est pas possible. Ah, il y a une pièce en bas. Je sais pas, il en faut combien? 10? Je suppose qu'elle est dans une putain de coquille de mes couilles. Par contre, il était censé avoir un bat. Ah bah, il est là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et de 3. Par contre, ça va être chaud de sortir de l'eau là. Je suis un peu en train de me faire chier en plus. Sérieux. Je sais pas, j'aime pas trop ce niveau. J'aimais bien les niveaux des anciens Mario là dans l'eau, mais là, je sais pas, je me fais chier. En plus, on dirait que l'eau c'est. On a mis du produit à chiottes dedans, oui. Bah, je crois qu'en fait, il faut appuyer sur le détonateur, enfin le détonateur, la plateforme. Et je crois qu'il faut aller doucement, il n'y a pas besoin de se presser. Je crois qu'en marchant, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Oh, tu m'as à quatre pattes, dis donc. Bah, dis de te mettre à quatre pattes. Ça, c'est Peach qui le fait. Non, je rigole. Désolé, les enfants, si vous regardez ma vidéo. Vous saurez plus tard ce qu'il va faire avec Peach à quatre pattes. Là! Pourquoi? Pourquoi il l'a lâché? J'ai appuyé nulle part. Hein. Ok, en plus il lag. Enfoiré. Espèce de fourbe. Ok. Nom de Zeus, je suis où? Ah, là c'est les plateformes. Putain, mais ça me fait vraiment chier ce niveau. Hein. C'est dingue. C'est la première fois qu'il y a un niveau de Mario qui me fait chier en fait. C'est pour ça que ça me fait mal au cœur de dire ça. Après, il y en a qui aiment peut-être ce niveau, hein, mais bon. Je vois pas vraiment ce qu'il y a d'énorme. Putain, mais c'est pas possible! Vais péter un câble. Hein. Péter un câble. Bon, on va aller récupérer la pièce rouge là, qui est là-bas. Je sais pas qui est protégée par une coquille. Bah oui, bien sûr, sinon c'est trop facile. Quand j'ai combien de pieds? Yeah, 4! Bon, encore 6. Ça fait un peu mal au cul de dire ça, mais bon. On va essayer d'en trouver un maximum dans l'eau déjà. Après, le reste, ça viendra tout seul. Est-ce que après la plateforme, il y a encore un niveau? Non, je crois pas. Attendez. Mais c'est qu'en fait, il est super lent, Mario. Je sais pas si vous remarquez, enfin, je suppose que oui, parce que déjà moi en jouant, ça me fait chier, mais alors vous en regardant. Bon. Tout ça pour une putain de pièce de merde. Non! Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pète un câble, Mario de mes boules! Espèce de plombier! Espèce de Mexicain. Foiré. Est-ce que c'est la caméra qui me fait bugger comme ça? Oh là là, la caméra se gère comme un Mario. On va essayer. Ah, je l'ai eu. Un de ces big boss. Ah, voilà, un de ces big boss. Par contre, est-ce que je peux lever la caméra? Non. Non, rien du tout, rien du tout. Je vais me faire foutre, ok. Et dans l'eau, là. Il y a encore une petite pièce pour le moins. Ou non? Ah, dans l'eau, il doit en avoir encore une ou deux, là. Ah. C'est quoi ça? C'est un poisson? Une drôle de tête, le poisson. Une tête de Schweppes! Ah, peut-être en dessous du bateau. Par contre, je suis sûr que je vais mourir dans l'eau. Ça va être épique. Plutôt un épique fail. Putain, mais je sais pas, mais c'était un bon endroit pour cacher une putain de pièce comme ça, quoi. Ah, putain, je vais galérer! Non! Remonte!
Monte, enfoiré. Remonte, enfoiré. Remonte. Bon. Les arbres. Ah, je peux grimper aux arbres, c'est vrai. Ouais. Sauf que là, j'ai du mal. J'ai du mal à croire que Mario va. Déjà qu'il n'arrive pas à remonter. Ça, c'est énorme. Web. Super Mario. Continue comme ça, tu vas aller loin. Eh ben. À croire que les plombiers sont pas super intelligents. Désolé pour les plombiers qui regardent ma vidéo. Mais Mario vous fait vraiment. Il salit votre réputation. Oh putain, les cailloux qui apparaissent comme ça en clipping. Putain, j'en ai marre de ce niveau. Ça doit faire au moins 10 minutes qu'on est dessus là. Plus ça me fait chier ça. Ça n'apparaît même. Même pas vrai. En plus, je vois pas où est-ce qu'il peut y avoir des pièces rouges. Ah, j'en vois une là-bas, je crois. Ouais, j'en vois une. Peut-être qu'en fait, il faut suivre une sorte de chemin ici. Alors, c'est quelle coquille qui a. Six. Ensuite, faut que je descende. Voilà, j'ai dû être aussi. Après, il y a peut-être une pièce dedans. Non, ça s'ouvre pas. Ah si. Ah bah non, il n'y a pas de pièce. Je l'ai dans le cul, je l'ai dans le cul. Nanani. Oh. Oh, il y a un troude. Ici, il y a un troude. Vite, faut que je passe. Bientôt 30 minutes de vidéo, les amis. Oh, il y a un troude. Il y a un troude. C'est bon, on peut sortir. Yeah. Ouais. Ah, voilà. Ah, une nouvelle pancarte, en plus. Alors, ça, c'est bien. C'est parti. Ah. Yeah. Non, mais je veux lire. Ah. Dehors, les touristes. Cette caverne est très dangereuse. Alors, dehors. Le capitaine. Ah putain, c'est dingue comment je l'ai dit. Oh. Ah! Pourquoi tu fais tomber des trucs sur ma gueule, toi? Tu te fous de ma gueule? Espèce de raciste contre les plombiers. Ah, c'est quoi ça? Ça se pète, non? Ah? Ah? Ah! Ah non! Bon bah, tant pis, bah au moins j'en aurais pris quelques-unes. Je vais continuer mon chemin. On s'en fout, lui. Ici, il n'y a pas de... Ah! Putain, je déteste ça. Bon allez, hop, je vais y aller. Ça va me tomber sur la gueule, ça va me tomber sur la gueule. Je fais mon petit tour. Hein. Ah, ici, c'est quoi ces coffres? Je peux en ouvrir un? Ouais, si tu veux. Ensuite, là. Ah, bah, il y a une pancarte. Je vais lire d'abord la pancarte. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors. Souquet ferme, matelot, j'ai caché un trésor par ici, moussaillon. Mais pour le découvrir, vous devrez ouvrir les coffres dans l'ordre. Y arriveras-tu, petit? Ah, ok. C'est ça, en fait, le... Ah, ok, attendez. Deux. Donc, ça, c'est le deuxième. Ah! Il a piégé celui-là. Ou il est électrique. Ok. Ah! C'est pas possible, attendez. Ouais. Bah, deux. Mais. Pas possible. Faut que j'appuie sur une touche? Bah, déjà plus sur une touche.
Pourquoi il m'électrocute? Blaireau! Tu es. C'est pas possible, attendez. Je vais changer la caméra parce que là, elle me saoule un truc de malade. Ah voilà, c'est mieux. Sauf que je peux. Ah voilà. Donc. Mais putain, pourquoi il me crame? Enfoiré! Tu veux pas que je découvre ton secret, hein? Un. Deux. Ok, je crois que je comprends en fait. Faut faire un. Par contre, si je m'électrocute, là, c'est mort. Un. Deux. Et trois, celui-là. Trois. Et quatre. Voilà. Fou. Ah, une étoile. Yes. On va pouvoir ouvrir une porte. Ben, 4 étoiles. Hop. Tetetetin. Peace and love. Bon, ben voilà. On va s'arrêter ici. C'était une bonne vidéo, on va dire. Il y en aura une autre. C'est clair, peut-être pourquoi pas finir le jeu ensemble. Dans ce cas, ben, je renommerai la vidéo en walkthrough. Premier walkthrough. Et après, je ferai peut-être Ocarina of Time. Ou Majora's Mask. Par contre, ça va être un peu plus complexe parce que moi, les Zelda, enfin, je connais assez, mais bon, c'est pas trop mon truc, on va dire. Enfin, moi, j'adore, hein, j'adore les Zelda, mais en fait, c'est les énigmes, mais ce qu'il faut faire et tout, tout ça, c'est barbant, je trouve. En même temps, c'est ce qui fait le charme de Zelda. Et puis moi, Zelda, c'est un jeu que je kiffe, les musiques que je les surkiffe. Donc, voilà. Donc on a 4 étoiles, la prochaine porte ça sera ben celle qui est là-bas. Donc 4 étoiles, ben, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il y a 4 étoiles. Ouais ben on fera la porte qui est là, hop, à gauche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il y en aura d'autres. Salut à tous, à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.